Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons tout de même à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les gens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très très courtois dans vos commentaires. Alors, ça chauffe du côté de la Guinée-Conakry. Lors du conseil des ministres ce jeudi 20 juin 2023, le colonel Mamadi Doumbouya s'est exprimé sur le projet de réalisation du barrage Koukou-Tamba. Il a d'ailleurs déclaré que ce projet d'utilité publique, selon le porte-parole du gouvernement, le président Mamadi Doumbouya a instruit au premier ministre et au ministre de l'énergie de mener des réflexions très rapides sur le redimensionnement du barrage Koukou-Tamba aux besoins de la Guinée. Et le barrage est déclaré d'utilité publique. Et dans ce cas-là, il a instruit au Premier ministre et au ministre de l'Énergie, des Recherches, des Ressources de Financement pour que nous-mêmes puissions conduire le projet pour répondre aux attentes exclusives de la Guinée. Cela veut dire simplement que le dimensionnement ancien pour le compte de l'OMVS sont abandonnés et le barrage va être dimensionné aux besoins de la Guinée et développé en conséquence. Eh bien les amis, c'est donc ici qu'a pris fin ce tout petit bulletin d'information. Restez donc abonnés et restez à votre chaîne préférée de l'information Réveil d'Afrique. Partagez toujours avec vos amis, amis, famille, reconnaissance, si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt donc pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très bien.